La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jour anniversaire de Saint Joseph. Demandons à Saint Joseph de venir nous rejoindre dans ce que nous vivons au quotidien, particulièrement aujourd'hui, en son jour anniversaire, où nous pourrions peut-être nous remettre entre ses mains pour qu'il nous guide, pour qu'il s'occupe de nous comme il s'est occupé de la Très Sainte Vierge Marie, mais aussi du petit Jésus. Merci Saint Joseph de venir nous rejoindre tout simplement, de venir nous assister dans ce que nous faisons. Merci. Sois béni Saint Joseph. Alors aujourd'hui, nous avons une très belle pensée du jour. Elle est extraite du message numéro 6 du premier volume. Et cette pensée du jour nous invite à accueillir, j'ai envie de dire, le fait que Jésus est notre berger. Essayons de prendre connaissance de cette pensée du jour et d'approfondir cette notion, ce fait que Jésus est notre berger. Mon enfant, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je suis ton berger. Tu n'as rien, rien, rien à craindre. Je suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu fasses. Que de belles paroles. Alors Jésus nous dit qu'il a beaucoup d'amour pour nous. Il est notre berger. Pouvons-nous accepter deux choses? La première, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous aime malgré nos manques de mérite, malgré nos manques de vertu, quelle que soit la vie que nous avons menée jusqu'à présent. Il nous aime. Il est important à l'école de l'amour de Jésus et du cœur de sa Sainte Mère d'accueillir gratuitement cet amour de Dieu, de reconnaître qu'on est aimé de Dieu, qu'on n'a rien besoin de faire pour accueillir son amour. On n'a pas besoin de lui démontrer quoi que ce soit. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Simplement d'accueillir qu'il nous aime. C'est important parce que c'est ainsi qu'il est notre berger. Le berger est celui qui prend soin de ses brebis. Il les nourrit, il les protège, il les emmène se balader, il les fait prendre de l'air, il s'occupe de ses brebis en leur procurant tous les soins dont elles ont besoin. C'est ainsi que le Seigneur nous aime. Il nous aime parce qu'il nous aime, il souhaiterait pouvoir déployer son amour en nous, autour de nous, à travers nous. Déployer sa bonté, déployer sa miséricorde, déployer sa toute-puissance, déployer sa tendresse, déployer sa délicatesse dans notre vie, à tout instant de notre vie. Le bon berger, si le bon berger fait ce qu'il veut avec ses brebis, nous, en tant qu'êtres humains, créés à l'image et la ressemblance de Dieu, eh bien, il pourrait faire ce qu'il veut avec nous, sauf qu'il nous a donné notre libre arbitre. Et donc, il a besoin de notre consentement. Il a besoin que nous lui donnions
la permission de s'occuper de nous. Il a besoin que nous lui donnions notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Notre berger, Jésus, Christ, attend notre consentement. Es-tu prêt, toi qui écoutes ce direct, es-tu prêt à lui donner ton consentement pour qu'il prenne soin de toi comme ton berger? Es-tu prêt à l'accueillir comme ton berger? Es-tu prêt à accueillir son amour pour toi à un point tel qu'il le dit dans cette pensée? Tu n'as rien, rien, rien à craindre parce qu'il est toujours avec nous, avec toi, avec moi. C'est souvent ce qu'on a tendance à oublier quand on vit nos journées, quand on est embarqué dans nos automatismes de chaque journée. On oublie que Jésus est là avec nous, qu'on n'est jamais seul, qu'il est toujours présent. On oublie également un deuxième point, on oublie qu'il se propose de tout prendre en charge, de nous prendre en charge. Alors c'est sûr que cela ne veut pas dire que nous n'ayons plus rien à faire. Bien au contraire, il vient dire « Donne-moi ton fardeau, donne-moi tes occupations en échange de mon joug », ce qui veut dire que « Partage-moi tout ce que tu as et puis nous allons tout faire ensemble. Partage-moi tes occupations, vivons-les ensemble. » Toi avec moi, nous sommes ensemble, toi en moi et moi en toi, eh bien nous allons le faire comme si nous étions qu'une seule personne. Toi à travers moi. Voilà, je laisse faire à travers moi, mais je suis totalement présent. Toi tout à moi et moi tout à toi. Me voici Seigneur, tout à toi, je me laisse absorber par toi. En retour, je donne la permission de déployer, de te déployer à travers moi. Voilà, tout simplement. Jésus, en tant que berger, est celui qui veut nous faire redécouvrir ce prodige, cet être étonnant que nous sommes. C'est le psaume 138, verset 14, qui le dit. « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. » Eh bien, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas, que nous ne voyons pas cet être étonnant, ce prodige que nous sommes. Hein, lorsqu'on se regarde dans une glace, lorsqu'on entend ceux et celles autour de nous parler de nous, on se demande si on est vraiment un prodige, un être étonnant. Et pourtant, c'est elle qui nous a créés. Et donc, il faut le laisser, lui, en tant que berger, faire en sorte de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de voir cet être tenant, ce prodige que nous sommes, créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et pour ça, nous devons vivre, expérimenter jour après jour la présence de Dieu, son amour gratuitement. Il nous a aimés le premier, a-t-il dit. Et puis, pouvoir aussi se dire, il me prend en charge, je me mets à son service et je vis chacune de mes occupations quotidiennes avec lui, en lui, et en le laissant agir à travers moi. Je le vis avec lui, je ne suis pas seul. Je suis à vous parler, eh bien, c'est comme si nous parlions ensemble, Jésus et moi. Nous sommes unis, moi tout à lui et lui tout à moi. À tel point peut-être, un peu comme Jésus le disait dans les évangiles, quand tu me regardes, ne vois-tu pas que c'est le Père que tu vois à travers moi? J'aimerais peut-être dire aussi, quand nous sommes ensemble comme ça, dans la foi, quand vous m'écoutez, est-ce que c'est que moi que vous écoutez ou bien vous écoutez aussi Jésus? Voyez, on ne parle pas d'arrogance, on parle juste d'un plongeon dans la foi, en se disant de manière convaincue, dans la foi, sans chercher à savoir comment cela s'opère, se réalise, peu importe, dans la foi, eh bien, je suis uni à lui, il est uni à moi, je suis avec lui, il est avec moi, nous sommes tous les deux présents là, et lui, je lui permets
de déployer toute sa personne à travers moi, sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa tendresse, sa délicatesse, sa toute-puissance à travers moi. Essayons. Entraînons-nous à cela. Expérimentons cette manière de vivre. Et puis, sur le chemin, naturellement, nous allons rencontrer des difficultés. Naturellement, il y aura des souffrances par-ci, par-là. Il y aura même des tribulations. Mais cela, c'est pour notre bien. C'est pour que nous apprenions sans cesse à ne jamais quitter Jésus des yeux, ni le Père, ni le Saint-Esprit, à être toujours connectés à eux. Peut-être pouvons-nous maintenant relire à nouveau cette pensée du jour avec peut-être tout cela en tête. Qu'est-ce que cette pensée est en train de nous dire de plus? Mon enfant, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, dit-il. Je suis ton berger, je prends tout en charge, je te prends en charge. Tu n'as rien, rien à craindre. Je suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu fasses. Où que je sois, je suis là. Quoi que je fasse, je suis à vous parler. Où que vous soyez, vous êtes en train de m'écouter. Il est là si nous l'accueillons comme notre berger, si nous accueillons le fait qu'il nous aime, comme si nous étions seuls au monde et que nous n'avons rien à craindre. N'ayons pas peur. Ce n'ayez pas peur, nous le retrouvons plus de 365 fois dans la Bible. Hein, c'est comme si nous avions un n'ayez pas peur, n'aie pas peur, ne doute pas, pour chaque jour de l'année. Chaque jour de l'année, c'est incroyable. Juste, laissons-nous pénétrer de ce que le Seigneur veut nous dire quand il nous dit ⁇ Je t'aime, je suis ton berger, tu n'as rien à craindre, je suis avec toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. ⁇ Ce qui veut dire aussi que peu importe mes occupations, peu importe mon métier, peu importe le lieu où je peux me trouver, au sommet d'une montagne, sur une plateforme pétrolière, devant un ordinateur, en train à travailler comme un maçon, à peindre, à chanter, peu importe, quoi que nous fassions, eh bien, il nous dit, je t'aime là où tu es. Je suis ton berger là où tu es. Tu n'as rien à craindre là où tu es. Je suis toujours avec toi, quoi que tu fasses, où que tu sois. Tout simplement, il nous faut nous laisser pénétrer de ces mots. Revenir dessus, revenir dessus. Car le Seigneur nous dit, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il me soit fait selon ma foi en lui. Plus je suis disposé à me laisser pénétrer de tout cela, avec ma foi, sans chercher à savoir ni à comprendre le pourquoi du comment, simplement en y croyant dur comme fer, eh bien, tout ce que je peux désirer, il me le donnera. Il me permettra de vivre. Pour le moment, expérimentons cette posture, cet état d'esprit. Expérimentons le fait que nous soyons son enfant. Expérimentons le fait que nous sommes aimés, là, maintenant. Expérimentons le fait qu'il est notre berger, qu'il prend tout en charge. Expérimentons dès maintenant le fait que nous n'avons rien à craindre. Quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, quoi qu'il se passe dans nos rencontres, quoi qu'il se passe dans la situation dans laquelle je me trouve, heureuse, malheureuse, quoi qu'il se passe par rapport aux événements dont je suis peut-être témoin, que j'entends, que je regarde, que je lis. Peu importe, je n'ai rien à craindre, il est présent, puisqu'il est toujours avec moi. Je vous laisse avec cette pensée du jour, Jésus est mon berger, Jésus est ton berger, Jésus est notre berger. Donnons-lui la permission d'être notre berger. Accueillons-le dans notre vie. Mettons-nous à son service.
Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et porte sa croix. J'accepte donc de renoncer à ma façon de penser, à ma façon de parler, à ma façon d'agir, à ma façon de me comporter vis-à-vis des situations, des événements, des rencontres, de la souffrance, de la joie. Acceptons de nous laisser remplir de Dieu, parce qu'en nous laissant remplir de Dieu, eh bien, il va transformer notre cœur et toute notre personne pour nous rendre transparents de l'amour même du Christ. Il va transformer les personnes qui gravitent autour de nous. Il va transformer les événements qui se présentent à nous. Il va transformer en nous utilisant pour des missions dans le visible et dans l'invisible. Il va nous transformer à travers nous, que l'on soit conscient ou non. Il va combler les cœurs de sa paix, de son amour et de sa joie, tout simplement. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre écoute, pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Nous serons encore en carême, mais dans la semaine sainte. Je vous souhaite donc un bon carême. Je vous souhaite de vous laisser aimer durant ce carême et de vous mettre à la disposition de notre bon berger et de ne rien craindre, parce qu'il est toujours présent avec nous, de l'accueillir ensemble, de tout faire avec lui. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.